On reste dans le monde économique avec cette success story d'un jeune entrepreneur ariégeois. À 29 ans, il a créé le premier réseau social de maintenance industrielle et ça marche très fort, à tel point que sa start-up vient de lever 1 million d'euros. Présentation du dispositif avec Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Fini le temps des logiciels hors de prix pour réparer les machines. Marc-Antoine Talva est l'un des fondateurs de Mobility Work, une application mobile qui s'est imposée en quelques mois comme le premier réseau social de maintenance. Moyennant un abonnement de 30 euros mensuels par technicien, les industriels y trouvent toutes les ressources nécessaires pour subvenir à la moindre panne. Notre idée, en fait, c'était un, de faire une application de maintenance mobile, et deux, en fait, de pouvoir lier les gens qui ont les mêmes machines. C'est-à-dire que le jour où je suis en panne, il y a peut-être un industriel à côté de chez moi qui a la pièce de rechange qui peut me dépanner, ou je fais peut-être appel à un fournisseur depuis 2 ans, alors qu'il existe quelqu'un qui est moins cher et qui travaille à côté de chez moi, en fait. Donc le but, c'est vraiment, de manière péjorative, faire un Facebook de la machine. Et donc l'application aujourd'hui est utilisée dans plus de 85 pays. On a plus de 2 millions d'heures de maintenance et la société a été créée en mai 2016. Si le siège est à Paris, les 13 collaborateurs de la jeune start-up travaillent aussi depuis chez eux, à Bali, au Mont-Saint-Michel ou depuis l'Ariège pour Marc-Antoine. Le succès est tel que l'entreprise est parvenue à lever 1 million d'euros pour se développer encore davantage. Ça va permettre surtout de pouvoir avoir attiré d'autres talents, pouvoir améliorer toute la partie de l'équipe au niveau de la gestion du codage de l'application, à pouvoir potentiellement commencer à se déployer dans d'autres pays. Enfin voilà, ça ouvre forcément plus de portes. Des portes que Marc-Antoine aimerait aussi pousser localement. L'Ariège n'a paradoxalement pas encore d'industriel client de l'application.